Pierre Palmade est actuellement en détention provisoire malgré son hospitalisation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. En attendant le transfert de l'humoriste de 54 ans, les médecins réfléchissent à plusieurs options. Cette fois, si est-il sûr, Pierre Palmade ira bel et bien en prison. Ce lundi 27 février, la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en détention provisoire de Pierre Palmade dans le cadre du grave accident de voiture qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Cette collision a fait trois victimes dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Alors qu'il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et était soigné à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre après avoir été victime d'un AVC, l'humoriste a été écroué depuis son lit. Comme le rapporte Le Parisien, la chambre de l'artiste de 54 ans est gardée par des surveillants de la maison d'arrêt de Fresnes. La justice attend désormais l'accord des médecins de l'administration pénitentiaire pour le transférer. Selon Le Quotidien, ces derniers vont étudier plusieurs possibilités en fonction de l'état de santé de Pierre Palmade. Pierre Palmade bientôt transféré, les médecins vont ainsi réfléchir à trois options bien distinctes. Dans un premier cas, Pierre Palmade peut être envoyé tout simplement derrière les barreaux mais dans un quartier particulier en raison de son statut de célébrité. Il peut aussi être transféré à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Pitié-Salpêtrière. Un établissement qui reçoit les détenus de Fresnes nécessitant des soins pour de lourdes pathologies, précise Le Parisien. Dernière possibilité, placer l'humoriste dans une aile médicalisée de Fresnes. Autant d'options possibles alors que, selon des informations de RMC, la cour d'appel de Paris a décidé d'une mise en détention pour deux raisons très importantes, le risque de réitération en raison de la conduite sous l'emprise de la cocaïne et la nécessité de préserver les investigations en cours dans le cadre de l'information judiciaire pour homicide et blessures involontaires. Pour le moment, son transfert attendra.